for the night. Fuck being polite. I'm going. Yo les gars, c'est Jaipad, donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour un nouvel épisode de, d'un squad builder. Donc aujourd'hui c'est une équipe de Bundesliga. Je dis un petit peu de la merde parce que c'est pas une équipe de Bundesliga mais c'est une équipe de Ligue russe. Donc c'est une équipe de Russian League, donc c'est l'équipe là, donc voilà, donc vous la voyez. Donc je ne vais pas la bâtir devant vous parce que je sais pas pourquoi, bref. Donc je vais tout simplement vous la montrer. Donc au goal j'ai Igor Akinfeev, donc là, c'est le meilleur goal russe, hein, même le meilleur goal de Ligue russe devant Guillermé. Donc Akinfeev, donc voilà, donc c'est une énorme stat en plongeon et en réflexe et en positionnement, c'est potable, hein, franchement. Après jeu à la main et dégagement, c'est vraiment bon. Donc vraiment un très très bon goal pour moi. Ensuite en défenseur gauche j'ai Cristito. Donc Cristito, c'est un défenseur gauche que je connais depuis assez longtemps. C'était, on va dire, si je me souviens bien, dans FIFA 11, en mode carrière, c'était le défenseur gauche qui avait le plus, qui promettait le plus, quoi. En gros, c'était le défenseur gauche qu'il fallait avoir en carrière pour aller loin, pardon. Donc, Dimenico, Cristito, donc lui, c'est vitesse, défense, passe, franchement, il est vraiment bon. Franchement, un très bon défenseur gauche, donc une vitesse potable, même si plus vite quand même, il serait meilleur. Ensuite, en défenseur droit, nous avons Angboa. Donc Angboa, donc lui par contre, c'est vraiment la vitesse, hein, purée dure, quoi. Donc c'est vitesse, défense, quand même pour un défenseur droit gauche, il est quand même bon en défense, même s'il est argent. Défenseur droit gauche, je l'ai dit, je crois, bref. Un défenseur droit argent, je voulais dire. Donc il est donc rapide, défense, et en passe il est, c'est potable, franchement c'est pas mauvais pour autant. Ensuite en défense centrale nous avons Salvatore Bocchetti. Donc Bocchetti lui c'est vitesse, surtout vitesse, et puis défense tête potable. Donc défenseur central italien du Rubin Kazan, ou Kazan, bref, on s'en fout. Donc il est assez grand, bon de la tête, donc défenseur. Au niveau de la passe, c'est correct pour les relances. Après, en défenseur central, donc on a. Alors lui, il est serbe ou il est slovaque. Il est slovaque, voilà, donc il joue au Lokomotiv Moscou. Donc c'est Jan Djurica. Donc Djurica, ses vitesses, défense et tête. Il a des stats de joueur hors rare, hein, franchement. Il est vraiment énorme. Ensuite, en milieu défensif central, on a le petit français Las. Donc, Lassana Diarra, pardon. Donc, lui, c'est vitesse, défense, passe. Hein. Diarra, c'est vraiment énorme. Hein. C'est un joueur vraiment, vraiment costaud malgré sa petite taille. Et franchement, il fait le taf. Hein. Un très, très bon milieu récupérateur et surtout, pardon, relanceur. Donc en milieu gauche on a c'est Marc Gonzalez, donc le chien du CSKA Moscou. Donc lui par contre c'est vitesse, technique, passe et frappe. Il a une frappe monstrueuse. Franchement un super bon joueur. Donc là vous pouvez voir que j'ai fait à peine 3 matchs avec l'équipe là. Mais bon, quand même elle est bonne. Franchement c'est vraiment une bonne équipe. Et puis de toute façon après on ira faire un match. Donc en milieu droit après on a Aiden McGiddy. Donc le retour pour moi, parce que je l'avais dans mon ancienne équipe russe. Donc McGiddy, c'est 5 étoiles en geste technique, hein, vitesse, 91 de vitesse, 71 en tir et puis 78 en passe. On va dire que c'est vraiment un des meilleurs milieux droits du jeu, hein. Il est vraiment énorme ce joueur. Ensuite pardon, en milieu offensif on a Carlos Eduardo. Donc lui pareil, une technique, hein, 5 étoiles. Vitesse correct, une énorme frappe, un très bon passeur, donc franchement ça fait un milieu offensif complet. En plus il est brésilien et puis il joue au Rubin Kazan, et ce qui fait donc il est vraiment vraiment bon et super fort techniquement. Ensuite ma paire de BU, donc franchement une paire de BU assez puissante, hein, Samuel Eto'o. Donc à l'ancienne, donc 91 de vitesse, 82 en tir, une bonne stat de tête et de passe. Donc franchement, Eto'o, c'est du lourd. Hein. Il n'est pas super cher en plus, 6000 en 82-1-2, c'est vraiment rien. Même si là, pardon, son prix, il a vraiment baissé depuis. Vous l'avez pour beaucoup moins cher que ça. Ensuite, on a Wellington, donc un peu petit. Hein. Wellington, donc c'est technique, vitesse, et tir, et aussi tête, parce qu'il est aussi bon de la tête, pardon. Wellington, j'avais le choix avec Emenike et puis Doumbia.
Doumbia reste pour moi un joueur. Pour moi, Doumbia, il est vraiment abusé. Wellington, il a un petit peu moins abusé que Doumbia pour moi. Et puis voilà. Bref. Je préférais prendre lui et puis aimer niquer à seulement 3 étoiles. Du coup, bah, j'ai préféré prendre Wellington. Donc, on va tout partir pour faire un petit match pour vous montrer l'équipe. Donc, de nouveau, je pense que ce que je vais faire pour tout le temps. Hein, uniquement un match en coupe normal. Que je gagne ou perde, c'est pareil. Hein. On a un petit peu rien à faire de gagner ou de perdre. De toute façon, je ne suis pas là pour vous montrer que. Je ne suis pas là, pour vous montrer que je suis fort ou quoi. Par contre, mon équipe est un petit peu fatiguée, un petit peu souvent ça. Et elle n'a pas de morale parce qu'il faut peut-être que je mette du moral. Donc, on part pour ce match-là. On va tout de suite voir l'équipe qu'on a en face. En espérant en trouver une déjà. Ce qui serait vraiment cool. Allez. Comment hein. Il veut, voilà enfin. Donc on va jouer à domicile contre une équipe. Je n'ai pas vu le nom de l'équipe. Ouais, vas-y, on joue en rouge, c'est bien. Et c'est une équipe. Oula. Ok, alors le gars il joue avec une équipe argent. Ok, d'accord. Une équipe MLS. Ouais. Elle a pas de collectif. Hein. Ok. Alors le gars il joue avec une MLS Silver en Coupe Gold. Au pire, chacun fait ce qu'il veut. Hein. À part si je me bouffe sur l'équilibrage, à ce moment-là, j'ai peut-être râler. Bon, c'est parti. Alors, on va quand même bien démarrer. Donc, une équipe, comme quasiment toutes mes équipes que je me fais, c'est vraiment, vraiment du physique en défense et puis de la vitesse sur les côtés et en attaque. Avec Wellington et puis Eto'o. Et puis après, les milieux de terrain toujours costaud et technique pour le milieu offensif. Parce que je joue quasiment tout le temps en 4-1-2-1-2 maintenant. Ce qui fait. Oh merde, d'abord j'ai un petit peu raté mon truc. Ce qui fait que ça m'apporte beaucoup de jeu et puis beaucoup de plaisir à jouer avec ces équipes-là. Donc je vais prochainement vous faire une présentation de mes équipes. Parce que j'ai un petit peu modifié mes équipes. Hein. Oh, la première partie, il est parti. Wellington, non, le contrôle. Il est encore. Oh le poteau. Je pensais même pas pouvoir tirer hein, dans la position là. Et un petit poteau pour démarrer. Bon. On s'en fout un petit peu. Ce n'était pas une frappe magnifique pour autant. Donc du coup, je disais avec de la technique et de la vitesse pour mes offensives, ça procure beaucoup de plaisir à jouer. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup mes équipes. La brosse, il est parti. Eto'o. La frappe d'Eto'o. Oui, allez hop, 1-0. Eto'o, 10ème minute, sur un superbe appel, hein, dans l'axe surtout, une belle passe hein, d'Eduardo, et après là, le petit coup, hop là, 1-0. Par contre, franchement, moi, l'équipe que j'ai toujours en face, comment dire, je la regarde et tout, mais c'est pas pour autant que je vais avoir peur ou quoi, parce que franchement, c'est pas le fait que le gars ait une équipe de ouf, qui va me faire peur. Là par contre j'ai un petit peu saboté comme on dit, un peu merdé quoi. Ah désolé. Et du coup pour moi c'est pas l'équipe qui fait le joueur simplement. Et c'est pas parce que le gars a une équipe de fou et qu'il a Ronaldo ou Messi ou je sais pas quoi que forcément je vais avoir peur et perdre face à lui automatiquement. Donc ah non, là par contre c'était Boketti. C'est pas avec Boketti que je vais faire ça. quoique hein, on a souvent vu des défenseurs centraux marquer des buts comme ça. Hein. Que ce soit dans FIFA ou en vrai, hein, à l'image d'Adil Rami, qui lui en a mis un magnifique de 50 et quelques mètres. Donc c'était super flagrant qu'il allait me faire ça. Et j'ai mis mon défenseur pour pour l'empêcher. je me suis quand même bouffé. Voilà, quel beau but. Quel beau but. Je prenais même viré mon son. Excusez-moi. Voilà. Bon, 1-1, je parlais, tout, bref, on s'en fout un petit peu de te bouffer un but. C'est pas un but dû à mon équipe, je pense, hein. Plus dû au fait que j'étais pas, je vais pas être de mauvaise foi en disant que je parlais et tout, mais voilà, à pas se le cacher, hein, je n'étais pas super concentré à ce moment-là. Alors, Gonzalez, allez, le ciseau, mais non, pas une tête, oh là là, Eduardo, qu'est-ce que tu me fais là, oh, là, allez, Maguidi, tu te bats. La vitesse, non, tu l'as pas. Oh, alors le mec, par contre, il tente de me parler, je crois. J'ai cru
entendre un bruit de son micro. Au pire, si vous me parlez, je m'en fous totalement. Je ne parlerai pas. Moi, mon micro, il est pas pour toi, il est pour ma vidéo, mon petit. Ah, la brosse, il est parti, Wilton. L'enroulé, pied droit. Ah non, papier gauche, mais t'es con. Oh. Ok, au pire, pas de soucis. Ah, et tôt. Merde. Oui, c'est bien ça. Gonzalez, non, mais non, fallait faire un double contact. Non, t'es bête. Bon, j'ai un petit peu gâché mon attaque, hein, je vous l'avoue. Hein. J'ai un petit peu fait n'importe quoi sur ce coup-là. Pff, au pire, c'est pas grave. Comme j'ai dit, je suis pas là pour faire un truc de ouf, pour gagner, etc. Plus pour vous montrer mon équipe. Et là, pour le moment, ben, ce que je vois, ben, plutôt ce que je vois toujours ben, par rapport au match que j'ai pu faire avec l'équipe là auparavant, hein, toujours pareil, hein, technique et vitesse. Hein. Ouais. Et j'avais commencé, pardon, à vous parler du fait que j'allais refaire une vidéo bah, pour vous montrer mes équipes. C'est surtout parce que bah, j'ai modifié pas mal de mes équipes, hein, que ce soit ma Bundesliga, ma Serie A et ma BPL. Du coup, c'est assez intéressant que je vous montre tous mes nouveaux joueurs. Parce que voilà, j'ai un petit peu... On va dire que j'ai augmenté le niveau de mes équipes. Hein, un petit peu partout, un petit peu dans tous les domaines. La porte Eto'o était parti, mais il s'est arrêté. Et là, il peut encore l'avoir. Allez, Eto'o, tu l'as, Eto'o, la frappe d'Eto'o. Et oui, Eto'o. Mais quel talent c'est ce joueur, mais quelle classe. Oh là là là, Samuel Eto'o. Maintenant, j'en suis à 4 matchs, 8 buts. Eto'o. Il a descend. Hop. Et voilà, Eto'o. Vraiment une valeur sûre ce joueur, hein, tellement énorme. C'est pas parce qu'il est parti dans un club russe milliardaire pour l'argent que pour autant il est pourri, hein. Faute pour lui, tu te moques de moi? Ah oui, quand même, faute pour lui. Ok, pas de soucis. Au pire, je m'en fous. Au pire, on s'en fout. Hop, c'est bon. Ça passe à Kinfef, tu relances proprement dans les pieds. Ouh, j'ai eu chaud, regarde là. Là, en revanche, j'ai eu chaud. Tu joues plus, mec? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu joues plus? Hein? Ok, bon. Ok, il joue plus. Dans ce cas-là. Et boum! Non. Dommage. Bah, Guidi, donc franchement, lui, super low shooter. Ah, si, il joue encore. Ouais, il joue encore. Allez, Guidi. Tu gères. Guidi. Non, pourquoi frappe du gauche? Pourquoi tu tires du gauche, Guidi? Non. Dommage. Donc, tour de 1, ouais. Doublé d'Eto'o, je crois. Franchement, super équipe. Hein. Je vous la conseille. Vous pouvez prendre Ubokan en défense à la place de Durak et tout pour le triplé. Ah non, la frappe est mauvaise. Eduardo à tête pourri. Ok. Donc il y a Ubokan. Vous avez aussi Wilkshire en défenseur droit. Donc un Australien qui est vraiment pas mal du tout. En milieu gauche, pardon. Vous pouvez aussi prendre Tosic. Qui n'est pas mauvais non plus. À la place donc de Marc Gonzalez. Donc le gars ne joue plus de nouveau, c'est un petit peu saoulant. Ah mais voilà, il parle, il joue plus, c'est... Qu'est-ce qu'il arrive à d'un coup? Il joue ou pas ce gars? Oh! Allo. Le mec à part cracher dans le micro. Il ne sait strictement rien faire d'autre. Alors est-ce qu'il joue? Voilà, que ce mec s'il joue pas, c'est un petit peu nul, hein. Ouais, s'il joue quand même là. Allez tôt. Et toi tu passes, et toi tu repasses, et toi tu repasses pour de bon, la faute qui n'est pas sifflée, et le si... Mais non, tu connais la retournée? Non, il n'y a pas la retournée. Hein. J'ai quand même bien tenté, hein, dans mes matchs, de vous placer au moins une fois un super beau but, que ce soit ben, un ciseau ou un long shot, ou bien un petit mode skill activé, quoi, on va dire. Même si je ne prétends pas être super fort dans tous ces domaines. Bon là par contre niveau domination c'est assez violent, hein, c'est assez violent. Donc si je domine ça ne veut pas toujours dire que je suis vraiment plus fort que l'adversaire ou bien que mon équipe est vraiment meilleure. Ça peut très bien être dû au fait ben qu'il y ait, on va dire un décalage ou bien un truc qui va tout empêcher, ça, ce qui m'arrive souvent, hein, que c'est quand même assez souvent bah, qu'on perd et tout, et puis qu'on rage parce que bah, tout simplement nos joueurs ne font jamais ce que l'on veut faire. Oh putain, le gars ne joue plus, c'est vraiment saoulant ça. Du coup je m'amuse mais je fais n'importe quoi. Et du coup ben bah, je pense que si je gagne aussi facilement peut-être dû parce que voilà, comme j'ai dit, parce que le gars doit peut-être avoir une connexion assez mauvaise ou bien
ou bien des petits soucis de latence ou je ne sais quoi. Mais bon, moi je m'en plains pas, je gagne 2-1, je suis content. Mon équipe est vraiment bonne. Superbe équipe, je pourrais mener plus, hein, franchement. Là par contre, Dira qui se fait bouger, c'est pas top. On va essayer d'éviter de s'en prendre un, une égalisation. Donc le gars va passer là, tranquille. Voilà, donc là franchement, je l'ai empêché de faire toutes les solutions possibles. Donc le gars joue en défensif par contre. Déjà à toi. Ok. Ouais, quand même, il a une équipe. Ouais. Je sais pas si. Je sais pas si le fait de jouer en défensive va vraiment l'aider. Eto. Ah, dommage, Eto, non. Oh, désolé. Non, non, il est blessé, je suis pour ça. Oh, désolé, mec. Désolé. Je vais pas le blesser pour autant. Je voulais empêcher son goal de relancer, mais pas au point de blesser son défenseur. Bref. Ah ouais. Je l'ai même bien blessé, excuse-moi, mec. Allez, Eto. Gonzalez. Oh non, pourquoi t'as fait ça? Puis après, moi, le fail de touche. Dommage. Donc toujours, par contre, pour mon vieux micro, hein, là, vous pouvez entendre que ma voix, elle part tout loin, et puis qu'elle va tout près. Bref. Donc, ce qui fait que, probablement, à mon anniversaire, donc au mois de mars, j'aurai peut-être un micro, donc un Blue Yeti. Il y a beaucoup de chances que j'ai ça. Même si je pense que je vais faire comme on l'a conseillé, par le gars qui m'a fait donc mon intro, donc Latino, d'aller le renvoyer auprès de du fabricant, donc Sharkoon, et voir qu'est-ce qu'ils me disent et s'ils peuvent me le remplacer. Donc là, Eduardo qui passe et qui vient rater sa frappe. Mais pourquoi tu l'as mis au milieu? J'avais pourtant bien visé. Bref, Richito, le corner par la tête de Dweka. Oh là là, qu'est-ce que tu me fais, Dweka? C'est moi qui ai mal dirigé mon joystick. Que là, il était vraiment tout seul. Oh non, je l'ai. Ah non, dommage. Là, je pensais avoir anticipé. Comme un gros chien. Comme un gros chien enfamé. Eduardo, la grosse frappe. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Donc, carton jaune pour Eto. Ah oui, c'est vrai, carton jaune pour Eto. Parce que j'avais. j'avais un petit peu fait le bâtard, on va dire. En taclant. Allez. Vous allez, la grosse frappe. Non, 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 non. On parle de, je vais un petit peu arrêter de tenter comme ça, parce que voilà, je mène seulement 2-1. Hein. Je ne suis pas encore à l'abri de me bouffer un ou deux buts. Donc, je vais quand même essayer de marquer un but correct après, là, et après, tenter, hein, comme je le fais souvent. Hein. De toute façon, moi c'est toujours pareil, à partir du moment où je mène de 2 buts, je me mets à tenter. Donc au moment où je parle de me bouffer un but, et je me bouffe pas. Ouh, j'ai chaud quand même, j'ai chaud. Heureusement qu'il a pas suggéré, le mec n'anticipe pas, pardon. Donc ça va, mais putain, il joue même plus. Oh. Tu fais quoi, mec? Ah, il joue pas, je crois. Je sais pas s'il joue. Il parle, mais il joue pas. Bref, Eto. Ok. Bon, mec, peut-être pendant que tu joues, ça est cool. Là, c'est le cas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh non, il mérite pas. Vas-y, je fais quoi? Je le mets ou pas? Oh là 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 là. Il a pas fait la pénalty normalement. Vas-y, mais je le mets ou pas le penalty? Je sais pas, je le mets. Ouais, puis merde. Vas-y, qu'il l'a ou pas. Je tire fort au milieu et qu'il arrête s'il veut. Tant pis pour lui. Franchement, il mérite pas de se bouffer un but parce que voilà, c'est quand même moi qui anticipais comme un gros bâtard et puis après, il n'avait pas du tout penalty. Bon, tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. J'aurais aimé la rater pour lui, mais bon. Voilà. Pas pour autant. Un peu de sa faute. Il n'avait qu'à pas faire ça. Oh non. Non, McGuidi. J'avais géré. Non. Ah, ça saoule. Il a voulu la passer au remplaçant. Comme on dit. Bref. Eto. D'accord, Eto qui passe magnifiquement bien à Richito. Marc Gonzalez qui se fait avoir. C'était vraiment facile à voir ce qu'il allait faire. Le gars, il a voulu se livrer. C'était vraiment calant, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En revanche, là, il était parti. Eduardo. Non, non, non. Voilà. Ça, un truc que je fais tout le temps. Je pousse trop la balle et voilà. Ah, j'avais géré pourtant, je pensais bien partir. Dommage. Donc toujours 3-1, pardon. Franchement, voilà. L'équipe là me fait quand même penser à ma BPL. Au niveau du physique derrière, hein, surtout le physique.
Et puis la technique et la vitesse. En revanche, la prendre. Non, j'ai pardon. Bien raté mon truc. Et le gars ne joue plus de nouveau. Ça me saoule. Ah si, il joue, c'est bon. Allez, Eto'o qui était revenu prendre la balle. Wellington, Eto'o, Diarra qui est parti. Diarra. Et Diarra, non. Non, Diarra, mais pourquoi t'es pourri? Non. Oh, Diarra. Mais pourquoi je me suis pas arrêté? Mais je suis trop con. Ah là, ce gâchis. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Diarra. Ah merde. Ah, Diarra. Ah, la honte. Mais bon, voilà, franchement, là par contre, c'est pas moi qui ai mal dirigé, hein. C'est juste que voilà, le joueur en bout de course, un droitier en déséquilibre qui a foutu du pied gauche. Ah là, Diarra. On n'a pas. Bref, on va quand même aller tenter de mettre un petit beau but avant la fin du match, ce qui serait quand même pas mal. On va quand même passer par mes attaquants. Avec Eto'o, avec Wellington, avec Eduardo, avec McGuidi. On va faire passer à tout le monde. McGuidi qui passe encore. McGuidi qui a peut-être pas passé comme ça. Hop, qui la met là. McGuidi qui rate son truc. Non, McGuidi. Non. Je voulais pas faire ça. Je voulais pas m'arrêter comme ça. Je voulais pas qu'il pousse là-bas une fois de trop. Et il l'a fait. Bon, là par contre. Oh non. Je voulais qu'il tacle. Je voulais qu'il mette son corps en opposition en gros, quoi. Mais par terre. Je voulais qu'il se couche sur la balle. Mais il ne l'a point fait. Bon, allez, fin du match. Encore une petite action là pour moi, je pense. Je pense que je peux en placer une. Allez, là tu passe pas. Gonzalez. La frappe de Gonzalez. Non. Ouais, allez, fin du match normalement là. Sauf si Gonzalez veut retenter. La faute là. Allez, un petit ciseau pour terminer, pardon. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a qui peut la faire, un petit ciseau, là? Là, elle met bien. Allez, Djurica. La tête, ouais, ok. Ok, Djurica, la tête, pas de soucis. Allez, on a fini. Avec un petit but, quand même. Ah non, saboté encore. Tant pis, fin du match 3-1. Donc, je pouvais placer encore plus de buts. Hein. Je pense que je dois frôler les 20 tirs. Au moins 15 cadrés. On va voir ça. 25 tirs, 15 cadrés. Et puis 8, 4 tirs, 2 cadrés. Voilà, j'ai vraiment dominé le match. Je pouvais placer encore plus de buts. Donc là, quand même, vous pouvez voir mes positions. Hein. Franchement, c'est vraiment tout le temps ça moi, que je fais hein, pour tirer. Les longs shots, toujours au même endroit. Après, les grosses frappes avant la surface et tout. C'est dingue. Bref, donc victoire 3-1. Donc une équipe à retenir côté positif. Du physique, de la vitesse et de la technique. Donc on va quand même vous montrer hein, Akinfef. En fait, Akinfef n'a pas fait un match pourri. C'est lui quand même, comment dire, il a un petit peu rien eu à faire. Donc voilà, hein, Crisito, Angboa ont bien apporté pour les dédoublements. Boketti, Djurica. Lui, c'était vraiment solide défensivement. Et puis vraiment bien rapide, Diarra, un bon passeur, hein. McGuidi, Gonzalez, bonne vitesse, hein. Techniquement impeccable, même si c'est quand même un petit peu moi qui ai fait un petit peu du caca, on va dire, à des moments. Eduardo, on l'a peu vu, mais pourtant il a fait un bon match. Et puis Wellington, on l'a aussi peu vu, et puis surtout Eto'o. Le joueur fort de l'équipe, hein. Le point méga positif, le joueur que vous devez tous vous prendre, Samuel Eto'o. Il est juste énormissime. Donc voilà, donc normalement Eto'o, si je me souviens bien, j'avais mis 3 matchs 6 buts et maintenant c'est un truc du genre 4 matchs 9 enfin, ouais, 4 matchs 9 buts ou je sais pas quoi. Ou bien il doit avoir à peine 2 matchs je sais pas quoi. Voilà, 4 matchs 9 buts, il est vraiment énorme. Et puis 4 matchs 5 buts pour Wellington. C'est vraiment énorme, voilà, donc j'espère que cette équipe pardon, vous aura plu. Et puis je vous dis ciao à la prochaine. Donc bon, pour la prochaine vidéo, normalement ce sera la présentation de mes équipes. Bye tout le monde, c'était JPad.